La délégation olympique éthiopienne de retour au pays sans Feyisa Lilesa. Malgré les assurances des autorités, le marathonien médaillé d'argent à Rio, qui a critiqué la politique menée par Addis Abeba envers le peuple Oromo dont il est issu, a choisi de ne pas rentrer en Éthiopie. Je ne sais pas si le comité olympique va retirer la médaille de Feyisa Lilesa. Ça dépend des règles et de la réglementation des JO. Tout ce que je sais, c'est qu'il a reçu la médaille d'or pour sa performance. C'est tout ce que je peux dire. Quant aux autres athlètes, les autorités leur ont réservé un accueil à la hauteur de leur performance. C'est la première fois que je participe aux JO et j'ai ramené une médaille d'or à mon pays. Je suis très contente de ma performance. Je suis un champion éthiopien. Nager, c'est toute ma vie. Je voulais être nageur et je vais continuer à nager. Je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Je continue de nager. Feyisa Lilesa aurait demandé l'asile politique aux États-Unis. Un sujet que le département d'État américain n'a pas souhaité commenter selon l'AFP. À Rio, l'Éthiopie a remporté 8 médailles, dont une en or.